Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une vidéo nouveau Pet Shop. Je sais que la dernière vidéo que j'ai mis en ligne c'était aussi une vidéo Pet Shop, mais j'ai pas trop d'idées de vidéos en ce moment, donc voilà, je voulais en profiter pour vous montrer mes nouveaux Pet Shop et aussi pour vous dire que pour l'Halloween je vais faire une vidéo, donc j'ai commencé à faire les déguisements de mes Pet Shop. Et j'ai commencé à faire des sauts et des bonbons. Donc, je vous en dis pas plus, hein. Faut garder le suspense quand même. Vous allez patienter jusqu'à l'Halloween. Donc, on va tout de suite commencer avec les nouveaux Pet Shop. Donc, je vais commencer de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Mais je les adore tous, hein. Vous fassiez d'idées. Donc, voilà. Sinon, je les aurais pas pris. Donc, on va commencer avec. Et ensuite, on fera les accessoires. Hein. Mais on commence avec les Pet Shop. Du coup, on va commencer avec ce pingouin. Qui n'a pas de nom. Donc, vous pouvez lui en donner. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. D'ailleurs, aucun Pet Shop n'a de nom. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc, voilà ce pingouin. Hop. Hop. Ensuite, nous avons ce phoque ou cette otarie. C'est comme vous voulez. Voilà. Hop. Si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour tous les LPS. Donc encore une fois, hein, il n'y a pas de nom. Petit. Donc voilà ce chien qui est juste magnifique. Macro. Donc voilà. Encore une fois, pas de nom. Donc herbacé, oui, magnifique, en effet. Donc c'est celui qui a les boucles ici. Brun. Qui a le dessous des pattes blanches. Et son dos, il est noir. Mais on le voit mal à cause de son nom. Je pense qu'on le voit quand même. Ouais, comme ça. Donc voilà, ce passé. Qui est très joli, c'est mon troisième, hein, quand même. M'améliore. Ensuite, nous avons ce chaton. Qui est vraiment trop chou. Que j'ai vu, je pense, une fois. Mais pas plus. Donc, encore une fois, pas de nom. Hop. Et elle rentre pas dans le cadre, elle est trop petite. Donc voilà. Et je n'avais jamais remarqué qu'elle avait le dos blanc par contre. Hein. Donc voilà. Ici nous avons. Voilà ce chat. Ce chat sphinx. Trop beau. Les oreilles brunes et beiges. Une liste, genre. Un petit museau brun. Un petit nez rose et une patte brune. Une patte rose, comme son nez. Comme le dedans de ses oreilles. Et les yeux mauves. Qui est trop belle!
Et c'est pas la dernière, hein. Il en reste un que je n'ai jamais vu de ma vie, hein, encore une fois. Donc voilà. Gardons suspense. Non mais quand même, vous êtes obligé d'avouer qu'il est trop belle et trop chou. Regardez sa petite bouille. Hein, sa petite bouille de chat battu. C'est plutôt sa petite bouille de chien battu, mais c'est un chat, donc sa petite bouille de chat battu. Regardez ce chien. Regardez comment il est mignon. Sur son doigt, il a une petite fleur. Le bout de la queue, il est blanc. Hop, les yeux verts. Ta mère, elle est trop chou, regardez ça. Sa petite patte, comme ça. Et du coup, il est comme ça. J'en ai quatre. Parce que j'avais Cathy, qui est ma mascotte, qui est sur ma photo de profil. Et j'avais Katie, sa sœur, qui est la même, mais en tigre roux, en fait. Et donc, maintenant, j'ai elle. Et elle. Donc, je suis trop contente. Mais sérieux, ma préférée, c'est elle. Elle a trop une bonne bouille. Mais tout, elle est trop chou. Donc, je les adore trop. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, liker, commenter. Et surtout, n'hésitez pas à donner, si vous avez des noms, à tous les pet shops qui n'ont pas de nom. Parce qu'il n'y en a aucun qui a des noms. Donc je le redis encore, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous. Allez, tchuss !